Je veux tout voir, je veux voir plein d'énergie parce que là ce soir, il va falloir vraiment la sortir. Un max, ça va taper dans le gras ce soir. Allez la team, c'est parti. Allez, on s'installe. Yeah. On rentre bien, bien, bien son nombril. Ok. On vient mettre sa tête sur le côté. On utilise juste le poids de sa main, de son bras. On ne tire pas sur le cou. Un peu plus en avant. Très bien. L'autre côté. Un peu plus devant. Très bien. On revient. On vient attraper son petit manche en bois, le manche à balai. Allez, toujours pareil. Je veux que tu serres les fesses. Tu plies légèrement les genoux. On est souple, hein, toujours sur les genoux. Tu serres les fesses. Tu me rentres ce nombril. Rentre le ventre. Prise large. Prise large, les poignets, regarde, bien vers l'arrière, comme si tu tenais un manche de vélo, un guidon de moto. À l'arrière, à l'avant. Allez, je contrôle bien mes abdos, je pars pas en avant, en arrière, hein, ok? Je maîtrise tout. Yeah! Et le petit sourire qui va bien. Wouh! Alors après, on aura 35 minutes. 35 minutes et 31 exercices. Super. Allez, on échauffe bien, hein. Important. Les épaules vont bien travailler. Alors, toutes celles et tous ceux qui sont en rééducation, pour les épaules, poignets, on prend juste une bouteille d'eau. Vous ne chargez pas, hein, vous maîtrisez. Vous vous connaissez. Hein. Super. On va venir sur le côté. Un pec. Des grands, grands cercles. L'autre côté. Très bien. Allez, on échauffe tout ça. Si ça craque, c'est normal. C'est plutôt bon signe. C'est que ça en a besoin. Allez, on lubrifie tout ça. Super. Encore devant, derrière. Très bien. On reste en haut. On vient sur les côtés. Allez, on gagne bien les abdos. Allez, comme si on tenait un grand, grand volant. Côté, on doit bien bien sentir déjà les abdos. Allez, plaque le nombril à la colonne vertébrale. Super. Impeccable. Allez, on reste en haut. On vient ici, au niveau des épaules, derrière. Devant, derrière, devant. Quand on va derrière, on avance un peu la tête, hein? Allez, chauffe bien les épaules. Total body ce soir, on travaille tout. Mais vraiment tout, tout, tout. Même le muscle derrière l'oreille. Oui, je vous l'assure. Allez. Allez, on prend conscience de ses muscles, de ses mouvements. On ne le fait pas à vide. On serre bien les omoplates quand on passe derrière. Devant, on pousse bien. Très bien. Dernier, on reste sur les épaules. On rapproche un petit peu les mains. Vous venez de profil, on va faire le good morning. On va venir, on tend les jambes. Ici. Dos bien plat, je ne me voûte jamais. Je me sers justement de mes coudes, coude bien vers l'arrière. Et je pense à mes poignets, je pense à bien tourner comme si j'accélérais
manteau. Allez. J'essaie de trouver des images pour avoir la bonne position. Jambes tendues. Surtout, on ne cambre pas. On ne bouge pas son dos, pardon. On ne bouge pas. Et on s'arrête là où on peut s'arrêter en fonction de sa souplesse. Si jamais ça tire ici, tu t'arrêtes ici, d'accord? Allez. Très bien. Allez, ça c'est un excellent exercice pour les fessiers. Fessiers, bas du dos, contracte les fesses. Quand tu remontes, on contracte les fesses et on pense à ses poignets, on remonte les coudes. Super. Dernier. On reste ici. On vient attraper. On vient devant. On resserre la prise au niveau des mains. Regarde, ma prise est légèrement un peu à l'extérieur de mes hanches. Je plie les genoux. Je rentre bien mon nombril. Je viens, je tire. Là. Je viens bas du ventre. Je serre bien mes omoplates derrière. Là. Monte les coudes derrière. Serre les omoplates. Rentre bien le nombril. Regarde loin devant. Tout ça. Super. Très bien. Allez, là, on doit même sentir les cuisses qui commencent. Allez, on tire bien derrière. Très bien. Et on redresse. Secoue tes jambes. On va venir position squat, donc légèrement couverture de hanche. Les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. On peut venir prendre une ouverture un peu plus large. Ok. Et on vient frotter ses cuisses. Et on descend. Et on remonte. On frotte bien ses cuisses. On descend. Et on remonte. Dos bien droit. Pense bien avoir les omoplates. Bien serrées. Et tu redresses tes épaules, tu serres les fessiers, les abdos en montant. Allez, on met un peu plus d'intensité. Super. Allez, descends bien les fesses. Allez, on frôle bien les cuisses. Super. Allez. Très bien. Allez, serre ses fesses en montant. Très bien. On reste en haut. Se décontracte. Mais qu'est-ce que c'est cet échauffement encore? Allez, on va améliorer sa posture au quotidien. Exercice polyarticulaire qui font tout travailler. Et en même temps, on dépense un max de calme. Tu vas venir au-dessus de ta tête. Donc là, pareil, tes poignets vers l'avant, ok. Tu vas descendre en squat doucement et tu remontes. Alors, si tu as un miroir ou une vitre, c'est encore mieux. Essaie de regarder ta position. Dos droit, ok. Les genoux qui vont bien vers l'extérieur quand je remonte. Alors, cet exercice doit te permettre de regarder. Si tu pars comme ça... Hop, c'est que tu mets trop de poids sur une jambe. Pareil quand tu remontes. Ok. Tiens bien vers l'arrière. Le manche en bois, bien vers l'arrière. Tire tes omoplates vers l'arrière. Super. Yes. Allez, on les descend ces fesses. Tu descends, tu montes. On descend, pousse. Allez, on descend, tu montes fort. Là. Allez, l'impulsion en montant. Yes, super. Là. Très bien. Allez. Ouais, le dernier. Wouh. J'ai regardé ma montre, j'ai pas mis le chrono. Allez. Ça, c'est parce que je vous aime trop, du coup, je veux jamais vous quitter. On boit un petit coup.
tu te souviens? On va se faire le petit combo avec la marche de l'ours, la petite pompe, le gainage sur le côté. Je vais tout te remonter. Te remontrer, ne t'inquiète pas. Alors, marche de l'ours. Je gaine bien, je plie un peu mes genoux. Je descends, face. Je me mets sur les genoux pour faire la pompe. Je mets le poids vers l'avant. Je descends. Un genou au sol pour le gainage éventuellement. Droite, gauche. Ensuite, je joue grande ouverture de hanche. L'autre côté. On revient. On fait un squat ou un squat sauté. Une fente avant. Droite et gauche. Allez, on descend. La pompe. Gainage. Grande fente au sol. On remonte. On jump ou on jump pas. La fente. Ok. Allez, le troisième, on en fait 5. On descend en pompe. Côté. Super. Là. Grande fente. On monte, on jump. Si on peut, on saute ses fentes. Pour les deux derniers. Allez. Super. Allez, super. Là, on échauffe tout. Allez, un dernier pour le petit plaisir. Jumping jack et on va démarrer. Allez la team. Yes. Alors on va faire monter un petit peu le cardio. Rappelle-toi, sans les sauts pour les jumping jacks, c'est cela. Si tu as mal aux épaules, tu peux rester là ou pas mettre les bras. Allez, on est parti. Allez, on le monte à mort ce cardio. Allez, tu les veux ces résultats? Tu les auras. Très bien. Allez, marche rapide. Allez, cette fois-ci, on va mettre le chrono. Allez, on a fait un bon échauffement. Alors, le manche, on n'en a plus besoin, sauf que peut-être pour avoir l'équilibre, tu peux en avoir besoin pour les options. Laisse-le à côté de toi. Alors, que je te montre le premier. Le premier. Alors, le but, c'est de charger. Hein. Hop là. Allez, moi, j'y suis pas les mains mortes. Je vais me mettre de profil pour te montrer.
On est bien face. Tu me tends un bras pour bien t'équilibrer. Tu descends sur le côté. Tu remontes. Tu comprendras qu'en fait, c'est le déséquilibre qui crée que du coup, tu vas forcer de partout. Ok, pour pas pencher sur le côté. Bien les abdos. Surtout la priorité, les abdos. Regarde-moi de profil. Ok. Ici, dos bien droit. Je regarde loin devant. Là, les genoux bien face, pas vers l'intérieur. Ok, ça sera ton premier. Et ensuite, je te montrerai durant les 30 secondes. Salut Delphine, ça y est, elle est là. Delphine, surtout si tu viens d'arriver, prends quelques poids ou commence un peu léger pour t'échauffer. Hein. Sinon, si tu pars sur du 10 kg, tu risques de te faire mal. Allez! Est-ce qu'il y a de l'énergie ce soir? Est-ce que tu es avec moi? Je veux tout voir. Envoie-moi plein d'énergie, la force avec moi. Je m'entraîne avec toi ce soir. Tu vas voir, pour te parler, ça va être comme ça. Allez, on n'est pas là pour faire semblant. On est là pour avoir des résultats à max. Super format ce soir. 31 exos, qu'un tour. Mais t'envoies à fond, ok? Allez la team, focus objectif. Allez, je mets les watts. C'est parti. Allez, dos bien droit. Allez, rentre-moi les abdos. Allez, surtout, hein. Bien, bien droit. Je pars pas sur le côté. Allez, je prends tout ce que j'ai, une marmite, la litière du chat, tout ce qui pèse un âne mort. Allez, respire, gagne bien les abdos. Super. L'autre bras. Profite que là j'ai un peu de temps de repos. Ça change pas d'exercice. Et l'autre bras. Allez, je me mets de profil pour que tu vois bien mon dos. C'est parti. Allez, le regard loin devant. Le buste stable. Allez, n'oublie pas de changer de bras, hein. Tire déjà les jambes. Allez, les abdos. Ah. Ouais. Allez, là, j'ai pas le temps de rigoler. Regarde le prochain. C'est le hang clean. Le prochain. Je l'oubliais. Je rentre les abdos. Ok. Je viens ici. Là, petit basculement. Ici, là, jambes sur l'épaule, là, simplement celui-là. Allez, c'est parti. Allez, forcément, dès qu'on met du poids, c'est pas pareil. Allez, dos bien droit, je serre bien les fesses et les abdos en montant, hein. Allez. Allez, on travaille à mort les cuisses et les abdos. Allez. C'est les jambes, hein, qui poussent ton poids vers le haut. Ok. C'est pas le bras qui tire. C'est la propulsion des jambes. Là. Ouais. Alors j'en profite, j'ai un peu de repos. Ici, ok, c'est comme ça.
En fait, c'est tes jambes en montant. Tu vois, c'est la force par des jambes. Ça te monte le poids ici à l'épaule. Yeah! Allez, la team. Allez, on prend du repos. C'est exprès pour pouvoir mettre lourd derrière. Allez, c'est parti. Bon, et il y a toujours un bras qui est plus difficile que l'autre. C'est normal. Et le but, justement, c'est de pallier à ça et d'être en bonne santé. On renforce son dos, ses abdos. Allez, serre les fesses, pousse sur tes jambes. Serre-moi les abdos. Prochain, c'est la suite. Tu rentres tes abdos. Rentre le nombril. Ici, coude devant bien haut. On va venir presser comme ça. Si c'est lourd, tu vas un peu t'aider des jambes pour pouvoir le monter si c'est vraiment lourd. Allez, on arme comme on a appris. Attention au dos. Allez, bouge pas. On souffle bien longtemps. Allez, coude bien haut. Allez, on se donne un coup de barre avec les jambes. Si on a bien chargé. Allez, le dernier. Ouais. Allez, bois quelques gorgées. Allez, c'est que du bonheur. Moi, j'adore ce genre de course. C'est hyper efficace. Alors, t'oublie pas, pour monter ton poids, dos bien droit, en squat, tu clines, ok, et c'est parti. Allez, super la team, je vois plein de pouces. Allez, on se donne à fond. Allez, on fait pas semblant. Ah, sinon, on tombe faire autre chose, hein, ok. On est bien d'accord. Allez, yes. Moins mais mieux. Allez, allez, on le pousse. Allez, on renforce le dos, les épaules, sa posture. Ouais. Alors le prochain, on va être au sol. Tu feras attention en prenant ton poids, de ne pas le prendre sur la tête. Tu vas venir prendre ton poids ici, ok, et on va faire des battements de jambes. Tu plaques bien les lombaires au sol. Et on se démet pas le dos en prenant son poids sur le côté. Allez. Allez, plaque le nombril contre la colonne vertébrale. Mets-toi cette image. Allez, on décolle les épaules et on fait des battements de jambes. Allez, rentre le nombril. Allez, serre le ventre. Ça fait même mal aux cuisses. Pareil, attention quand on le met sur le côté, on bascule entièrement avec son poids pour pas griller le dos. Hein. Alors le prochain, mon Dieu, mon Dieu. Le poids au milieu. Tout simple. On va venir sauter droite et gauche. Si tu peux pas sauter, ok, tu viens l'enjamber. Ok.
Allez. On s'aide des bras. On remet un peu de cardio. Allez, 10 secondes. 7. 8. Alors le prochain, je partais là. Le prochain, c'est là où tu vas pouvoir t'aider du manche à balai si tu manques d'équilibre. On prend son poids en bout de main, ok, et on va venir toucher le sol et revenir. Voilà, tu peux prendre le balai par exemple de l'autre côté pour maintenir l'équilibre. Allez, dos bien droit. Entre bien les abdos. Ça tire la jambe. Ouais. Tu l'auras compris. C'est l'autre jambe ensuite. Allez, c'est parti là-dessus. Toujours le nombril. Le dos bien droit. Je peux m'aider avec le manche en bois. Maintenir un peu l'équilibre. Mais le but, c'est vraiment de gainer. Un goblet squat. On va venir prendre son poids ici sur la poitrine et on va venir descendre en squat profond et remonter. Regarde bien mon dos. Oh. Surtout, je fais pas ça avec le poids. Hein. Je préfère que tu mettes moins lourd, mais surtout que tu bascules pas. Allez, regarde. Là. Allez, on pousse bien. Bien avec la plante entière des pieds, pas que le talon. Genou bien vers l'extérieur. Et je remonte. Dos bien droit. Oh, allez. Là, normalement, on sent bien le bas du dos, les cuisses, les jambes, la totale. On va prendre sa kettlebell, pardon, sa dumbbell, et on va venir faire un swing. Ici, là, je serre bien mes fesses. Quand je suis là, je rentre mon ventre. Descends dos droit, je remonte. Comme cela. Allez, c'est parti. Serre les fesses. Donc bien droit. Je ne cambre pas à la remontée. Je serre les fesses et les abdos.
Tu gagnes bien les abdos, sinon tu mets moins lourd. Allez, c'est parti. Allez. Allez, on vient faire un snatch. Celui-là, il faut surtout pas partir vers l'avant, sinon tu mets moins de poids, d'accord? On n'est pas là pour se faire mal. Ouh, allez, on respire bien. 5 secondes. Allez. Comme tout à l'heure, le swing, sauf que c'est d'une main. Et on va au-dessus de la tête. Celui-là, il est pas mal. Oh, ah, yeah. Le prochain, on vient s'asseoir. On va faire les abdos. On va venir prendre son poids, le déplacer droite-gauche. Tu peux légèrement décoller les talons ou bien les laisser au sol, ça sera l'option plus facile. Allez, droite. On rentre bien le nombril. On gagne bien. Protège son dos. Oh, allez. Allez, là, Simon, lâche rien. Break.
prochain. On va refaire. Tu te souviens celui de tout à l'heure? On va cliner sur l'épaule. Et ensuite, on va le pousser le poids, d'accord? Ici, arrêt sur l'épaule. Et on vient pousser. Le snatch, on était bras tendus. Allez, celui-là. Là, on pousse avec les jambes. Ici, là. On fait l'arrêt par l'épaule. Les jambes poussent deux fois. Une première fois pour l'épaule, deuxième fois en haut de la tête. Deux fois. Allez, première poussée de jambes. Deuxième. Allez, là-dessus. Allez, allez, allez. Accroche-toi, c'est fini. Reg. Et on descend son poids dos bien droit. Hein. Quand je le monte, quand je le descends, je gagne bien. Allez, bravo, bravo la team. Allez, on a fait plus de la moitié. Wow. Allez, c'est l'autre bras. Allez, accroche-toi, accroche-toi. T'es avec moi, t'es avec moi. Allez, tu clean et tu tiens. Allez. Là. Allez, dos bien droit. On a fait l'échauffement, sauf qu'on va mettre son poids ici, ok, et on va venir de son dos bien droit avec le poids ici au-dessus de la poitrine. Tu tiens bien et surtout tu voûtes pas le dos, tu t'arrêtes avant de voûter le dos. Ouh. Allez. C'est parti. Allez, jambes tendues. Reviens droit. Allez, serre les fesses. Serre-moi tes abdos quand tu remontes. Allez, on ne bouge pas le dos. Le prochain, il est terrible. C'est une demi-burpees avec le poids. Alors, regarde. Allez, je mets 10 secondes. J'ai un poids. Rappelle-toi l'option pour les burpees. Je te montre l'option. L'option plus facile. Une jambe, ok. Après l'autre. Une jambe ici. Là, l'option, c'est je remonte en squat comme ça. Ok. Je te monte. Je descends une jambe après l'autre. Ici, le dos bien droit. Je remonte comme ça. Sans l'option. Ok. Ici, là, je viens snatcher. Ok. Je fais une pause par l'épaule. C'est l'option un peu plus facile. Ne te laisse pas emporter. Si tu vois que celui-là, bras tendu, c'est trop, tu viendras faire une pause et la remonter. Allez, saute grenouille. Je gagne bien les abdos. Je monte.
encore deux. Le dernier. Là. Wouh. L'autre bras. Allez la team, tu restes avec moi, reste avec moi, reste avec moi. On s'accroche. Allez, burpees sans la pompe. Et on remonte en levant le poids. Donc bien droit, je gagne bien les abdos quand je remonte. On s'accroche. Break. Oh. Allez, pour rester poli, moi aussi j'en bave. Alors, on va venir mettre son poids devant. Et on va faire une planche. Et on va venir toucher le poids. Poids debout. On se met en planche. On s'allonge. On va
prendre son poids. Plus lourd que moi. Allez. Et on va venir le monter. Coude au sol. On le monte. Poitrine. Montée de poids. Allez, on le tient bien, hein, on ne le met pas sur sa tête, ok? Allez, sans les triceps qui travaillent. Profite pour contracter le périnée. Allez. Ici le poids, prochain exercice, glute, on va faire les fessiers, on monte bien, ouverture de hanche et on redescend. On monte bien, on contracte bien les fessiers et on se met en bas. Ça fait du bien de rester un peu au sol. Allez, tu montes. Allez, lâche rien, c'est la fin, c'est la fin. Allez, allez, on en veut, on en a encore. Je suis sûre que tu as de l'énergie. Allez, fessiers, arrière des cuisses, au top. Quand on met le poids à côté. Le prochain, on va rester sur le tapis. On va tendre ses jambes. On va prendre son poids, bien tendu, et on va venir monter le poids à ses jambes. Tu n'es pas obligé de prendre un poids hein, si c'est trop dur. Allez, on décolle ses épaules. Rentre le nombril sur ta colonne vertébrale. Allez! Allez, la petite, accroche-toi. J'ai plus de bras. Allez, plus de bras, plus de chocolat. Bon, qu'est-ce que je nous ai mis en prêt? Ah oui, aussi. Alors, on va venir prendre son poids. On le met droit. Ok, on va rester en abdos. Et on va venir droite et gauche. Oui! Allez, là-dessus. Mon poids, il va même plus être long. Allez, c'est pas grave. On va bien haut. Alors, tu peux faire l'option plus difficile où je viens contre la poitrine. Là, je reste en haut contre la poitrine. Je reviens sur le côté. Il est pas mal, celui-là. Ouais. Il sort tout droit, là. Il est tout chaud. Oh. Ouais. Oh. Allez, on revient en squat. Comme si on avait encore les jambes. Allez, sumo squat. On va venir. Bien écart. Mais vraiment, hein, comme un sumo. On prend son poids, dos bien droit. On vient le poser au sol, si on peut, sinon on s'arrête avant. On redresse le dos. Ici. Allez, c'est parti. Regarde.
là. Faut bien droit. Allez, on sourit, c'est la fin. Vraiment, il reste 2 minutes 30 de travail. C'est que dalle. Allez. Allez, est-ce que tu sens l'intérieur des cuisses là qui s'active? Allez, si tu le sens pas, c'est pas normal. Allez. Super. Allez, on va prendre son poids. On va se remettre au sol. On va venir l'attraper derrière la tête. Et on va venir faire une roulade. Comme ça. Sur les abdos. Si c'est trop dur, tu viens juste ici. Tu cambres pas, hein, tu restes lombaire au sol. Allez, on cambre pas le dos, lombaire au sol tout le temps. Allez, rentre-moi ce nombril. Pour remonter le dernier biceps, ça va aller. On prend son poids, ok, et on va venir monter comme ça ici, ok. Tu rentres bien le nombril. Allez, c'est le dernier. Allez, les bras. Allez, plie tes jambes, rentre-moi ce nombril et serre les fesses. Allez, allez. Ça y est, c'est le dernier, la team. Allez, je sais pas toi, mais je vais tout donner. Allez. En laissant le poids par terre. Ouh, prends ta bouteille. Marche, ne t'arrête pas d'un coup. Marche. Bravo. Hein. Je bois un coup parce que j'ai pas trop le temps de boire, moi, quand je vous montre tes exercices. Allez, viens toucher droite-gauche. Super la team. Allez, on touch. On va s'amuser 2 minutes avant d'arrêter. Alors, si tu veux, tu peux te détacher les cheveux. À chaque fois, les hommes, je dis, ah, mettez une perruque, c'est pas grave. Allez, tu t'applaudis, tu viens toucher. Yes. Yeah. Allez, la team, bravo. Allez, sois fière de toi. Woo! Yeah. Allez, derrière. Woo! Allez, tu viens tirer. Tu tires cette corde. Allez, tu touches derrière. Super. Allez. On vient décontracter tout ça. On refait revenir un peu le sang partout. Très bien.
Allez, petite course. Tout petit, juste pour récupérer. Tu récupères. Récupération active. Super. Allez, applaudis-toi, profite. Wouh! Pas bien là? Allez, je ne vous quitte plus. Petite récupération active. Bravo, bravo. Allez, on touche. Droite, gauche. On va étirer tout ça. Bravo, bravo. Allez, bois. Je vais arrêter la musique, sinon on va repartir pour un tour. Super en sueur, mais génial, génial. Salut Marion, salut Estelle, il y en a plein qui nous ont rejoint. Bravo, bravo. Oui, hein, le but de ce soir, c'était vraiment de charger. Alors après, tu as plusieurs façons de faire ce cours. Soit tu peux faire deux tours si tu veux, soit tu fais vraiment lourd, tu fais qu'un tour. Hein. Le but, c'est vraiment de tout donner. Moi là, j'ai tout qui tremble. C'est ça qu'on cherche, ok? 35 minutes avec un bon échauffement, c'est très bien. Allez, je pousse tout ça pour pas me casser la figure en live. Bon, un jour, ça arrivera, hein, de toute façon. Sinon, vous allez rigoler, c'est tout. Allez, rentre bien le ventre, souris, ferme les yeux. Tu viens plaquer ton biceps contre ton oreille, tu plies le bras, tu attrapes ton coude, tu ouvres bien grand, tu respires bien, ouvre bien ta cage thoracique, tu dois bien sentir toute cette zone-là sur le côté qui s'étire. Super, on appuie un peu sur son coude pour descendre sa main le plus loin dans le dos. Très bien, on change de bras. Allez, souris, sens toutes les endorphines qui arrivent. Super. Et là, tu as une bonne fenêtre métabolique pendant une heure pour prendre un bon dîner ou un déjeuner ou une collation si c'est un replay. Le repos et la bonne alimentation est tout aussi important pour être en forme et avoir ses objectifs. Surtout pas de régime, pitié, pitié, pitié. Très bien. On revient. Tu peux récupérer soit ton manche en bois, soit une chaise ou un mur. On attrape sa pointe de pied. On vient mettre son talon à sa fesse. Et toujours, toujours, rentre le nombril. C'est ton soleil, tu le rentres à l'intérieur. Alors, on doit bien sentir le muscle devant, là. Tout le quadriceps qui tire, qui tire. Super. Bien, on change de jambe. Alors, les étirements, tu n'as pas le temps de les faire ce soir, c'est pas grave, mais fais demain. Allez, on tire bien, on sent bien l'étirement. Impeccable. On revient. On vient en position les squats. On descend, squat yoga, on descend bien les fesses. On ne s'avachit pas non plus. On vient mettre ses coudes. Je te vois avec la langue là qui... Oh non, non. Allez, courage, courage. Tu viens mettre les coudes à l'intérieur des genoux. Tu
tire bien les genoux vers l'extérieur. Et là, tu dois sentir l'intérieur des cuisses. Et tu dois aussi sentir le bas du dos qui s'étire. On regarde loin, loin devant. Regarde mon dos. Très bien. Tu viens mettre du poids sur un côté. Je me mets de face pour que tu me vois mieux. Tu mets du poids sur un côté. Tu ne décolles pas ton talon. Là où la jambe, où tu mets du poids, tu vas à la limite. Tu vas jusqu'au moment où tu vas décoller le talon, mais tu ne décolles pas. Tu t'arrêtes avant. Et tu mets la cheville légèrement vers l'extérieur. Essaie de la pousser vers l'extérieur. Mets bien du poids. Et on vient changer. Travaille la mobilité de cheville. Très bien. Tu reviens au centre, les mains vers les chevilles. Tu pousses les fesses. Tu rentres le menton. Tu tends les jambes. Et tu essaies de t'approcher au maximum de tes genoux. Squat yoga, on redescend, on va recommencer. Alors attention, si tu as la tête qui tourne, c'est normal. On pousse toujours les coudes intérieur des genoux. On remet les mains vers les chevilles et on pousse. Très bien. Tu plies les genoux, tu viens t'asseoir. Doucement. Alors, la nausée, la petite tête qui tourne, c'est normal, c'est que tu es sorti de ta zone de confort. On plie l'une jambe sur l'autre et on ouvre bien grand. On regarde l'autre côté et on tire sur son genou. Très bien. On vient changer. On attrape son genou, on tire le genou et on regarde bien de l'autre côté. Très bien. On revient. On va venir se mettre à genoux. Position prière. On vient mettre les mains bien, bien devant, les fesses sur les talons. Tu te redresses tout doucement. On va venir faire une grande ouverture, les mains à l'intérieur. À l'arrière et tu viens pousser le bassin vers le sol et vers l'avant. Tu dois bien sentir un étirement à l'intérieur de ta hanche, l'intérieur de cuisse. Allez, un peu comme si on était écartelé. C'est pas très agréable, mais c'est très très bon pour la santé. Je sais, je dis ça à chaque fois, hein. Je sais pas pourquoi tout ce qui est pas super agréable à chaque fois c'est hyper bon, mais on est tellement content après. Allez, on est super fiers. Et on monte ses bras. Si on peut. Super. On passe par le milieu. Et on vient changer. De côté. Alors, pareil. On vient bien pousser vers le sol et vers l'avant.
dans tes bras. Impeccable. On revient. On vient, on passe par le milieu. On plie bien ses jambes. On voûte le dos. On rentre le nombril tout doucement, vertèbre par vertèbre. On déplie. Nos trois inspirations, expirations très importantes où on va se visualiser avec les résultats que tu veux. Je sais que je le dis à chaque fois, mais il faut que ça rentre, ok? Arrête de voir que tes défauts, sinon ton cerveau ne se programmera jamais sur du changement. Imagine ce que tu veux être, que ça soit en caractère, que ça soit physiquement. Donc là, tu vas fermer les yeux, on va faire trois grandes inspirations, expirations à fond. Et tu vas voir chaque détail de ce que tu veux de toi, d'accord? Des cuisses, des fesses, des abdos, tu fais par étapes s'il faut, ok? Et c'est comme ça que ça marche. Allez, c'est parti la team. Allez, deuxième. Allez, profond, bien profond. Super, et tu remontes vertèbre par vertèbre. Tu souris, tu t'applaudis, tu t'envoies plein de belles choses. Sois fière de toi. Si tu ne l'es pas, ton corps ne te le rendra pas, d'accord? Allez, bravo la team. Une belle soirée, une belle journée. À très très vite.